Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposé qui fait effectivement son retour après plusieurs mois d'absence. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quel est le principe de ce podcast Vous allez voir, il est tout simple. On vous invite à nous suivre dans l'une des villes d'un pays appartenant entre guillemets à la planète Hello, c'est-à-dire les Amériques, l'Afrique ou l'Asie. Pour cela donc, on prend le temps de se poser sur place, on évoque un petit peu la culture locale et évidemment, on s'intéresse à la façon dont on y vit le football. Vous l'aurez donc compris, Planète Hello, c'est une invitation au voyage. Pour le retour donc de votre guide voyage lucarno-posé, on va se rendre en Afrique et plus précisément au Maroc, dans sa capitale, à Rabat donc. Et on va y rejoindre notre guide favori quand il s'agit d'Afrique, Pierre-Marie Gosselin, salut PM. Salut Nico, salut à tous. Ouais Guy, dès là on aurait pu être deux. Hein. Il y a quand même euh, vrai. un autre spécialiste à euh, lucarno posé euh, qui connaît très bien le Maroc. Mais euh, je crois que lui c'était plus Casablanca que Rabat. Donc euh, écoute, ça se complète bien. C'est ah, vrai euh, qu'il y a passé un Casablanca peu... Casablanca aura peut-être droit aussi à son... Euh, eh, peut-être <laughs> qu'ils faisons, faisons <laughs> du teasing, tiens d'entrée tu vois. <rire> <rire> il paraît que ça marche comme ça maintenant. Euh, sur non, le... lui <laughs> met une petite pression. Euh, il, va, il va voir que euh, il, a, il a tout intérêt. Ah, c'est une bonne idée, Farouk. Si tu nous écoutes, c'est pour toi. <laughs> parce qu'effectivement, il y a vécu un an hein, au Maroc. Hein. Donc, euh, on se souvient, il nous faisait des insides. Il y a même quelques papiers dans les magazines euh, sur les tribunes marocaines. Et bah, vous allez voir, dans ce podcast, il va être quand même aussi question de tribunes marocaines. Parce que, euh, bah, parce que vous allez le voir, c'est quand même quelque chose. Les tribunes au Maroc. Mais donc, on va se poser avec toi à Rabat. Donc, on va partir à la découverte de la ville. On va commencer comme on commence toujours hein, dans les podcasts Planète Hello, histoire de bien planter le décor, j'ai envie de dire. On va commencer donc par présenter la ville. Alors, PM. La question traditionnelle avec laquelle on ouvre toujours les planètes Hello, se rendre à Rabat, c'est se préparer à quoi en termes de climat, de démographie et d'histoire concrètement, en gros, à quoi ça ressemble Rabat bah écoute, comme tu l'as dit, Rabat c'est la capitale du, du Maroc. Euh, c'est pas forcément la ville la plus connue parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite à Casablanca. Je pense qu'il y a peut-être même beaucoup de monde qui, qui pense que Casablanca est, est la capitale du Maroc, mais en fait non, c'est à Rabat que, que vit le roi Mohammed V et euh, qu'il y a son palais. et Du coup, bah, c'est là. La capitale du Maroc euh, donc c'est une ville en termes de démographie hein, bon je suis pas trop spécialiste mais c'est quand même une grande ville là je vois c'est un euh, million sept plus d'un million sept sept cent mille habitants donc euh, puis daté de 2014 on doit être pas loin des deux millions du coup j'imagine euh, aux cinq ou six ans plus de fin j'étais bêtises on est en 2000, parce y a ah, 2022 déjà PM ouais, 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 le, <laughs> le temps file aïe, aïe, aïe. Du coup, ouais, c'est une très grande ville. En arrivant euh, d'Europe, en tout cas euh, de France, il euh, n'y aura peut-être pas un grand dépaysement en termes d'infrastructures, euh, en termes... Terme, euh, voilà, c'est une grande ville avec un tram, euh, les routes, les trottoirs, les machins, tout ça, c'est très à l'Occidental, ça ressemble beaucoup. C'est vrai que... Euh, moi, je me souviens euh, d'aéroport à aéroport. On n'a pas l'impression d'avoir euh, d'avoir changé de continent forcément, surtout quand on se dit qu'on qu part en Afrique. Du coup, voilà, dépaysement euh, au niveau des infrastructures, pas forcément trop, euh, même si vous avez quand même un style marocain qui, voilà, qui se dégage, surtout comparé à, à la France. En termes de climat aussi, c'est assez euh, similaire à ce que on, on peut avoir, euh, on peut avoir en France avec. Euh, avec des hivers un peu froids et puis des étés qui peuvent être beaucoup plus agréables, beaucoup plus chauds. C'est sur la façade atlantique, donc on n'a pas le climat méditerranéen comme on peut retrouver en Tunisie ou comme ça. On a, on a quand même un, un, un vrai hiver. Et du coup, bah, c'est sûr, c'est peut-être plus agréable si on veut, si on a l'image du Maroc, des pays chauds et tout ça, c'est peut-être davantage l'été qu'il faut y aller. Euh, voilà malheureusement l'été il y a aussi un petit peu moins de football ouais malheureusement et en gros en gros là, là tu, tu dirais euh, toi de ton expérience tu dirais que la meilleure période pour y aller c'est quand c'est plus printemps alors moi j'avais fait euh, l'été enfin euh, euh, les mois d'été j'avais fait euh, l'hiver enfin l'hiver c'était le décembre et c'est vrai que je faisais quand même bien froid je me souviens avec le manteau et tout toujours un pull euh, mais euh, pff, au final c'est c'est un, un peu comme ici, c'est sûr, c'est peut-être plus agréable de le visiter quand il fait beau. Donc, ouais. j'aurais envie de te dire, printemps, automne. Mais bon, après, voilà, c'est des villes qui vivent toute l'année. Il euh, n'y a pas de saisonnalité, forcément. Puis surtout, enfin, voilà, vous pouvez, ça changera pas, le climat ne changera pas forcément aussi les visites que tu peux faire là-bas euh, la Médina, euh, la Casbah. Il euh, y a le mausolée euh, des rois, il y a le, la tour Hassan II, il y, y, y a quoi Il y avait, une, je crois, une très vieille casse Je me souviens avoir visité des, des ruines un peu romaines. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Il enfin, y, y a pas mal de trucs à, à voir. C'est une très jolie ville. Vous avez l'océan qui est juste là, donc vous pouvez marcher en haut des falaises. Il y a des plages. Enfin, c'est hyper sympa comme ville. C'est un peu grand, donc on ne peut pas tout faire à pied. Euh, mais avec le tram, ça rend euh, hyper accessible. Il y a un aéroport, donc vous pouvez arriver directement à Rabat. Et puis c'est assez central. Enfin, c'est central, non Le Maroc, c'est hyper grand, surtout du nord au sud. Mais malgré tout, vous êtes dans une position un peu centrale où vous pouvez aller un peu plus au nord, à Tanger, à Fès, euh, à Casablanca. Voilà, tout ça, c'est un peu, c'est un petit des villes qui sont pas trop, trop loin. Du coup, ça en fait un. Voilà, ça peut en faire un bon point de départ où ça ça peut faire une bonne étape euh, sur euh, sur un voyage euh, qui est un petit un peu plus. Euh, global au, au Maroc, mais après, c'est vrai que moi j'ai fait que Rabat et j'avais trouvé ça hyper cool. Ouais, et justement, tu as évoqué un petit peu hein, les lieux culturels et touristiques qu'il faut visiter dans la ville. Justement, euh, par rapport à... Tu l'as dit, hein, et je pense que je pense que tu ne dois pas être loin de la vérité, il doit y avoir un, un bon pourcentage de personnes qui pensent que la capitale c'est est Casa. Est-ce que en conséquence de cela, euh, on a la sensation que Rabat est un petit peu moins prisé? Il y a, y a moins de monde, même sur les saisons pleines, ou ça reste quand même très très chargé en termes de touristes? Eh ben non, justement, tu lèves un très bon point, c'est qu'en fait, c'est un peu une ville de... Il y a un petit côté un peu diplomate. C'est une ville où alors, y a, on peut voir des étrangers facilement dans la rue. Ouais, c'est des gens qui vivent là. Il n'y a pas forcément trop de touristes. C'est pas hyper réputé pour le tourisme en fait, alors qu'il y a des trucs hyper classe. Enfin, la médina de, de Rabat c'est hyper cool. Hein. J la Casbah, elle est au bord de la mer là. C'est vraiment. Euh... Enfin, moi j'en ai des très très bons souvenirs. Et il euh, y a un petit côté. Euh, voilà, on retrouve beaucoup de sièges d'entreprise… Euh... Il y, a, il y a puis voilà c'est la capitale c'est là où il y a le palais présidentiel et tout c'est hyper propre c'est c'est la ville où il y a le roi quoi donc forcément ça implique un environnement qui est un peu majestueux c'est euh, non vraiment, vraiment c'est pas mal et je pense effectivement sans vouloir trop m'avancer et, et dire peut-être des bêtises mais je pense que c'est une ville qui est un peu moins prisée des touristes vous avez Fès qui est l'ancienne ville impériale à côté du coup euh, l'ancienne ville royale pardon euh, à côté, du coup, c'est vrai que tous les gens, ils ont plutôt tendance à aller à Fès pour voir les, euh, les anciens palais et tout ça. mais alors que voilà, à Rabat, il y a quand même aussi vraiment pas mal de trucs à faire. Et puis euh, on n'a pas, non, je, je trouve ça hyper bien. Euh, une ville où les gens vivent, en fait, c'est ça. Il y a pas de, as pas l'impression d'avoir de subir la saisonnalité. Les gens qui sont là, ils vivent là. Donc au final, euh, tu fais toujours tout pour. Euh ça crée un climat quand même cool quoi où tout le monde vit ensemble donc dans tous les cas autant bien s'entendre quoi ouais t'as pas la sensation d'être sur un véritable parcours touristique ou t'es qu'avec une grande majorité de touristes à observer à avoir une certaine vision bon voilà ah bah, c'est sûr que ça, ça, ça contraste beaucoup avec marrakech et tout et d'ailleurs non c'est vrai que maintenant que tu le dis enfin en, en, en le fait d'en parler euh, je pense que quand tu vas à la Médina, tu es moins embêté, les gens ils vont peut-être moins essayer de t'arnaquer et tout ça. Forcément, il y a, a peut-être moins de touristes, du coup, tu as un peu moins cette culture de l'arnaque et tout, comme on peut dire, Arnakech pour Marrakech, des <laughs> trucs comme ça. Enfin euh, voilà, où les gens, ils vont, se dire, ils vont te vendre un maillot de foot euh, cinq fois le prix, euh, toi tu sais pas, tu dis que tu fais une bonne affaire, mais en vrai, euh, tu te fais arnaquer à mort. quoi. Et, et peut-être que Rabat est, est, est épargné de ça. Et c'est hyper cool, parce que aussi c'est vrai que Rabat, il y, y a des villes populaires, très populaires autour. Et juste en traversant, alors je crois c'est un wad, euh, les petites rivières. Là, il y a une petite rivière euh, au nord de de Rabat, là juste. Euh, à la, enfin, quand je dis au nord, c'est au centre ville, hein, mais euh, géographiquement c'est au nord. Et de l'autre côté de la rivière, vous avez Salé, qui est euh, aussi avec une médina, une casbah, qui était l'ancienne ville des corsaires. Du coup, il y a un peu deux salles, deux ambiances. Et pourtant, vous êtes euh, au même endroit, quoi. C'est ça, c'est cool. Et puis vous avez euh, marins un peu plus au sud où là c'est beaucoup plus populaire et tout ça où justement par rapport au mouvement ultra c'est ça on aura l'occasion d'en parler un peu mais euh, non vraiment euh, une très jolie ville ça vaut le coup d'y aller même sans le football ouais voilà et euh, oui on va parler des ultras dans un instant parce que voilà tu nous as présenté Rabat qui a l'air d'être une ville on va dire plus calme que le reste, mais vous allez voir qu'en matière de foot, elle est pas forcément très calme. Et justement, on va y aller du côté du football. On a évoqué casa en termes de, 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 de faux amis pour ceux qui peuvent penser que c'est la capitale. C'est vrai que lorsqu'on évoque le Maroc, même au niveau du football, on pense évidemment à casa parce qu'on pense à ces deux géants que sont... Je ne les mets pas dans l'ordre hein, parce que je sais que ça déclenche des passions, mais je les mets dans l'ordre alphabétique. Raja et Widad, hein, parce que je, voilà, je ne prends pas parti parce que c'est très, très clivant forcément, hein. mais, mais voilà, mais à Rabat aussi, donc, il y a une véritable culture foot. Est-ce que tu, on va, on va évoquer les ultras dans un instant, mais avant cela, on va évoquer les clubs, forcément, les clubs de la ville. Est-ce que justement, PM, tu peux nous présenter rapidement les clubs de la ville, leurs spécificités s'ils en ont une, et donc leur importance par rapport dans la ville, sur le plan euh, historique et social, au niveau de... de... Bah, oui, au niveau de la ville, donc. Ouais, alors écoute, bah, à Rabat, c'est comme pour euh, Casablanca. Il euh, y a deux grosses équipes, alors il y a plein d'autres petites équipes, hein, mais il euh, y a principalement deux gros clubs. Il euh, y a l'Association sportive des forces armées royales, l'ASFAR, qui est le troisième géant du football marocain. Et vous avez le FAT Union Sport, le qui est plus communément appelé le, le FUS de Rabat, qui est un club plus ancien que les FAR, puisqu'il a été créé en 1946. Alors que les phares ont été créés en 1958, en, 10 ans plus tard, il y a quand même une belle différence. Mais euh, voilà, le, 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 les phares étaient un plus gros club, une histoire un peu plus importante. Et du coup, forcément, ben, euh, voilà, c'est le club euh, numéro un de Rabat. Tu avais, avais classé par ordre alphabétique les clubs euh, de Casa. <laughs> Effectivement, le Widad est un peu plus titré que oui. le Raja. Euh, et euh, l'ASFAR est au même niveau que le Raja en termes de titres. Ils ont 12 dou titres de champion. Du coup, euh, voilà ça, ça place. Il euh, y a trois géants. Effectivement, les clubs de Casa sont peut-être les géants du moment, mais l'ASFAR est un véritable pilier du football mar marocain. La preuve, il n'est pas descendu, il n'est jamais descendu en deuxième division, tout comme le Wydad et, et le Raja. Donc, c'est les trois clubs qui n'ont qui pas connu. Euh, autre chose que l'élite. L'ASFA, c'est le premier club marocain à avoir remporté une Ligue des champions en 1985. Et ils ont remporté euh, beaucoup plus tard, en 2005, une Coupe des Confédérations. Et on va dire que ben, c'était un petit peu le dernier euh, moment d'apogée de l'ASFA, puisque là, depuis le, milieu, le, depuis le milieu des années 2000, euh, les résultats sont un petit peu moins bons. Le club reste en première division, mais il euh, n'y a plus de titres. Et euh, c'est un club qui, je ne pas dit, je l'ai pas dit mais qui a été créé par le roi lui-même euh, donc à saint deux et qui avait la particularité alors c'était euh, pas que là on avait retrouvé d'autres clubs un peu partout dans le monde où on a pu retrouver ce schéma là mais il n'y avait que des Marocains qui pouvaient jouer euh, dans l'équipe de la FAR euh, à une période euh, la règle a changé depuis mais à l'époque c'était comme ça et c'était un peu voilà des, au Mexique euh, c'est euh, les Chivas ou l'Athletic euh, Bilbao les ou, Mexicains, ou Bilbao où il n'y a que les Basques voilà on a... et puis dans l'histoire il y a eu aussi d'autres clubs où ça a évolué mais où on avait ce genre de politique où voilà ça permettait de vraiment mettre en valeur le pays alors euh, je te donc coupe voilà deux secondes pour, tu disais, tu, tu ouais. disais que c'est l'un des trois enfin il fait partie des trois géants effectivement ils sont quand même pas retombés trop bas hein. juste pour donner un petit peu d'actualité en regardant le classement de... alors je ne sais plus si on dit le ou la Botola Peut-être que tu peux me le dire. Euh, euh, pour moi, c'est la Botola. là. Je pro, crois que c'est là, hein, mais euh... j'ai un doute. Euh, ouais. Vous me corrigerez hein, dans, les, dans les commentaires, vous qui nous écoutez. Euh, s FAR finit troisième du dernier championnat. Et euh, l'autre club de Rabat, le FUS, finit cinquième. Hein, ce qui est... Voilà. Hein. <laughs> Ils ont fait ouais, une non, belle non, dernière fois. Mais disons qu'il n'y a plus cette régularité. Donc ouais. là, du coup, c'est vrai que les phares euh, participent aux, aux coupes continentales cette année, puisqu'ils ont éliminé une équipe nigérienne. On en avait parlé. Euh... Oublié, je ne sais plus laquelle c'est, mais ils avaient, ils avaient fait un, un exploit là-bas. Ils ont des résultats, mais un peu en ils sont pas vraiment au, Ils n'ont plus les moyens réellement de, de pouvoir rivaliser avec le Widad et le Raja qui sont allés passer au niveau au-dessus. Ligue des champions après Ligue des champions, toujours en phase de poule, toujours sortis de phase de poule. Enfin, euh, Il voilà, y, a, y a quand même une petite classe d'écart en ce moment. Ce n'est pas figé. Peut-être que les phares vont réussir à, à repartir. Euh, ce n'est pas forcément une question de moyens, euh, parce que les phares ont aussi de très gros moyens. Mais bon, voilà, ils n'ont euh, pas cette régularité continentale. Ils n'écrasent pas le football africain comme peuvent l'écraser le Ouida dans ce moment. Et, et c'est en ça que je dis qu'ils sont un peu en dessous. Et, euh, et pour le FUS aussi, c'est pareil. Ils ont des résultats relativement corrects. Ils arrivent à se qualifier en, en compétition continentale euh, régulièrement. Euh, ils ont d'ailleurs aussi remporté une Coupe de la Confédération. En 2010, ils l'avaient remporté. Donc, tu vois, c'était il y a… Il n'y a pas si longtemps. Et, Et euh, leur dernier titre... hein, hein. Ouais, leur dernier titre remonte à 2016. Euh, sinon, euh, voilà, le, le FUS, c'est un club qui a rejoint la, la, la première division, je crois, en 2008 ou un truc comme ça. Donc, euh, c'est normal qu'ils aient un palmarès quand même beaucoup moins grand que, que, euh, que la SFAR. Mais voilà, c'est une équipe un petit peu plus, euh, comment dire, intimiste. Et, euh, il y aura beaucoup moins de monde. D'ailleurs, euh, à l'époque, ils jouaient dans leur propre stade, qui est un petit stade en centre-ville à côté de la Médina. Alors que euh, l'ASFAR joue dans le grand stade Moula Abdallah, qui est un stade olympique, enfin, qui pourrait être un stade olympique avec piste d'athlée et tout. Ils organisent les, la Diamond League d'Athlé dedans, justement. Donc, c'est euh, voilà, un des grands stades du Maroc avec le, le Mohamed V. Ouais, c'est un stade de plus de 50 000 places, hein, c'est ça hein. euh, 53 000 places, ouais. ouais, ouais, ouais. Un... Non, c'est un gros truc. Ça ressemble un peu à euh, euh, tribune, c'est tout découvert. Avec juste la tribune présidentielle qui est couverte, et une vraie cuvette d'un seul bloc, les virages en un seul bloc et tout, c'est euh... non, c'est pas, c'est un bon stade. Et justement, avant d'aborder, euh, parce que vous allez voir, on va aborder le mouvement ultra, on est obligé d'aborder le mouvement ultra euh, lorsque l'on évoque Rabat. Dernier petit point par rapport à la en, de comparaison entre, guillemets, entre la SFAR et le FUS, tu l'expliquais un petit peu, il hein, y en a un qui est un petit peu plus euh, intime que l'autre. En termes d'ancrage local, c'est euh, la SFAR qui écrase tout, c'est le club le plus populaire ou comment se fait la différence Est-ce qu'il y a une différence entre guillemets de, en termes de public Je ne sais pas si on peut dire une différence sociale en 2022, ça n'existe plus trop euh, entre ces deux clubs. En fait, je voudrais pas trop dire de bêtises. Je veux pas non plus trop rentrer dedans parce qu'en plus il y a beaucoup de susceptibilités euh, ouais. entre les clubs et tout ça entre les supporters. Les versions peuvent peut-être aussi un peu varier en fonction des supporters. Donc rien ne me dit que moi j'ai entendu la bonne version. Enfin voilà des donc je veux quand même mettre des prendre enfin mettre des pincettes et mettre des guillemets un peu autour de, de ce que je dis parce que j'en suis pas pas complètement sûr mais j'ai quand même l'impression que que le fus c'est quand même un petit club. Il n'y a pas d'Ultra, il n'y a pas de groupe d'Ultra. Donc déjà, ça, ça, par rapport au, à l'ancrage auprès des jeunes notamment, ça en fait un club qui est beaucoup moins supporté. Par contre, en termes de place dans la société, je pense que le FUS, c'est un vrai club omnisport. Les phares aussi sont un club omnisport. Les deux clubs ont des infrastructures top. J'en ai pas du tout parlé, mais c'est des clubs qui ont des vraies infrastructures et tout. On peut jouer aussi au basket pour les phares. On peut jouer aussi au basket pour le FUS. C'est deux vraies équipes. Ils ont des clubs omnisports Enfin, c'est des clubs omnisports qui performent dans d'autres disciplines à l'échelle continentale, hein, c'est des gros clubs. Hein. Euh, mais voilà, la S.F.A.R. peut se targuer d'être presque au niveau du Raja et du Ouidad, même si il euh, y a beaucoup plus de supporters pour les cl clubs de Casablanca. Mais voilà, à Rabat, les phares, ils ont une vraie euh, un vrai soutien, alors que le FUS. Est, il y a beaucoup moins, mais par contre, le FUS est quand même aussi tout autant ancré dans la ville. C'est un club qui est hyper vieux, qui est plus vieux que les phares. Donc voilà, il y a des, il y a des partisans, il y a des, beaucoup de gens qui ont fait leur sport dans, dans cette équipe-là. Voilà, il y a, il y a, les deux clubs ont un véritable ancrage. Par contre, il y en a un qui parle peut-être beaucoup plus à la jeunesse que l'autre, et du coup, il y en a un qui est un peu plus suivi, j'imagine, que l'autre. Et, et du coup, ça, ça les différencie un peu. Euh, voilà il n'y a pas forcément le fin si il y a le club de l'armée en plus d'un côté mais le club de l'armée n'est pas forcément soutenu par les militaires vous imaginez que parmi les ultras enfin si vous l'imaginez pas vous allez vite le comprendre il n'y a pas beaucoup de militaires et de policiers dans les ultras donc euh, <laughs> voilà c'est pas forcément ils viennent pas se rattacher derrière ça mais c'est vrai que les ultras euh, du phare par exemple ils vont soutenir le roi euh le défunt roi à Sam 2, puisque c'est lui qui a créé le club donc ils vont avoir de, beaucoup d'estime pour lui et tout ça qui aura peut-être pas forcément autant du côté du fus ou tout ça donc bon voilà je ne veux ouais. pas trop rentrer parce que je ne sais pas trop ouais puis c'est difficile euh... de généraliser parce que de nos jours autant il euh, y a eu des époques où c'était très euh, les clivages étaient très clairs maintenant euh, ouais donc, voilà, voilà je ne peux pas dire qu'il y a le club du peuple le club des ouais c'est ça. ça je ne pense pas je pense pas qu'on rentre dans ces divisions là on a deux clubs qui sont euh, euh, qui parlent à tout le monde je pense en termes de classe sociale euh, il voilà, y en a un qui est un petit peu plus intime, euh, malgré qu'il a une place forte dans l'histoire et dans le sport euh, de Rabat, des Rabatis. Et il euh, y en a un autre, par contre, voilà, qui est euh, le club de l'armée, donc forcément des budgets, des moyens euh, beaucoup plus grands et, et une histoire aussi euh, un peu plus étoffée, surtout au niveau du palmarès. Ouais. Et alors, voilà, pour les deux gros clubs de la ville, il y a eu d'autres clubs à Rabat à différentes époques, il hein. y en a qui ont disparu et ah. tout. Euh, J'ai même trouvé un. Un OM de Rabat dans les années 20 et 30. C'était. Ouais. Il est disparu en milieu des années 50. Ce club, il me semble, si j'ai bien 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 bossé. Pour te compléter, avant ça, c'était le football de l'ère coloniale. Ouais. Et justement, le FUS a fait partie des clubs qui se sont euh, qui se sont battus dans le championnat à l'époque euh, de, de l'ère coloniale. Et alors que les phares sont arrivés après. Et donc du coup, cet OM là, euh, bon, bah, peut-être euh, un lien avec Marseille. Euh, euh, ah, C'était l'Olympique Ma, marocain de, de Rabat. Voilà, voilà donc allez savoir s'il y a eu une influence ou pas, c'est pas impossible. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que les phares, eux, sont arrivés après. Et du coup, c'est un club vraiment de l'histoire du football marocain, euh, pays indépendant. Et je crois que cet OM existe encore, mais plus la section foot. Je deme... bah, pareil, je me tourne vers ceux qui, qui nous écoutent, ceux qui peuvent laisser des commentaires. N'hésitez hein. euh, pas, n'hésitez pas à, à compléter ce que l'on dit. N'hésitez pas, hein, si vous parlez de... On parle de vos clubs, n'hésitez pas à parler de vos clubs, c'est aussi pour à cela que servent ces planètes Hello. Il y a un mot qu'on a beaucoup euh, prononcé depuis le début de, de ce planète Hello, euh, PM, donc forcément, on va s'y attarder. Euh, c'est le mot ultra, et donc mouvement ultra, parce que euh, bah, tu l'as vu aussi sur place. C'est un élément... Je, je m'étais mar... je, je dit, dit important, mais on peut même dire essentiel de la façon de vivre le football à Rabat. Euh, ce mouvement ultra est extrêmement développé dans la ville. Ouais, euh, à Rabat et même au Maroc en oui. général, parce oui. que tous les, enfin la, la, la grande majorité, pas tous, vu que vous avez vu le FUS n'a pas de, de groupe ultra, mais. Quand même la, la grande majorité des clubs ont des, ont des ultras et du coup voilà il ça draine un peu ce, ce, ce mouvement de supporterisme là euh, qui, euh, qui fait des adeptes notamment chez les jeunes et qui permet d'avoir euh, cette animation dans les stades parce que le problème c'est que alors pas forcément euh, pour le Raja et le Wydad où souvent on joue euh, des stades pleins pas que les virages euh, dès qu'on sort de, ce, de ces deux clubs là parce qu'en fait le Raja et le Wydad ont des supporters dans tout le pays euh, c'est ce qui fait que voilà, il y, y a une grande masse de supporters, alors qu'en dehors de ça, les phares, ils vont avoir des supporters à Rabat. Euh, rien n'empêche d'avoir des sections euh, dans d'autres coins du pays, euh, loin de Rabat, dans d'autres villes, euh, loin de vraiment loin de Rabat, euh, mais beaucoup moins que le Raja et le Wydad. Et du coup, on se retrouve dans le problème euh, du football marocain, c'est qu'on a des stades vides avec des virages pleins. Du coup, on a des stades qui sonnent à moitié creux, mais avec des ambiances de dingo. Et, euh, et souvent, on peut avoir des virages, où on a les supporters qui font les déplacements et tout ça, donc on peut avoir quand même de très très belles ambiances. Mais il y a quand même ce sentiment et cette, cette impression de vide parce que finalement, le stade, il est, il est, il est, il est à moitié vide. Par les virages, il n'y a, a pas grand monde. Et, et en fait, Rabat ne fait pas exception à, à cette règle-là. Et, et du coup, bah, ça donne encore plus d'importance aux, aux ultras parce que c'est vrai qu'ils bah, ils font clairement partie du, du spectacle. Sinon. Euh, Enfin, voilà, ils sont aussi responsables du fait que les stades sont un peu vides aussi. Enfin, bon, c'est le serpent qui se mord ouais. un peu la queue. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, euh, il est vrai que, ben, si vous voulez, enfin, euh, les gens s'imaginent euh, le football marocain avec des énormes ambiances dans les tribunes. Et ces énormes ambiances, c'est parce que le mouvement ultra est, est vraiment bien implanté au Maroc. Et on ouais, se souvient, euh, c'était euh, 2016 de mémoire, je me souviens d'un article de Farouk à l'époque où il y avait eu une forte mobilisation, justement, des ultra-marocains qui étaient euh, un petit peu, euh, comment dirais-je, pris dans la, dans la tempête. Hein. Les autorités voulaient à ce moment-là dissoudre les mouvements ultra. Ils s'étaient ouais. tous unis, justement, pour, euh, pour se sauvegarder leur, leur, leur identité. Il y avait eu un article à l'époque de Farouk qui avait fait un petit peu, euh, justement, le, le, la, qui avait présenté l'ensemble de, ce, de cette ouais. mobilisation, qui avait montré aussi. La force de ce mouvement au Maroc. Ouais, c'est clair. Bah, on, a, on a eu l'occasion aussi de faire un podcast Efrikia où ouais. on avait parlé du, du mouvement ultra euh, plus en détail et tout ça parce que l'idée là, c'est quand même, c'est le planète ce c'est pas non plus de refaire non. le <laughs> mouvement ultra marocain. On y passerait des heures. C'est une histoire très tumultueuse. Euh, les Farres, ça a commencé en 2005, donc ça fait parmi, euh, ils font partie des plus vieux groupes ultra euh, du Maroc à l'image des, des, des Winners de, du Ouida, des et alors pour le Raja il y en a beaucoup plus donc euh, bon pour ne pas en oublier je ne vais pas en... je ouais. vais pas, les pas de risque comme ça. ne pas prendre de ah, risque on arrive bien. à se faire démonter sur euh, la démographie quand on se trope de quelques centaines de milliers d'habitants alors euh, on ne va pas on va pas oublier ouais, des ouais, groupes le, le, <laughs> le groupe, les groupes ultra les groupes pour le Raja il y a beaucoup plus de groupes ultra et du coup avec des années de, de création euh, différentes je ne veux pas dire de bêtises et tout ça puis de toute façon, ces planételles Rabat, pas Casa, vous demanderez oui. à Farouk. Exactement. <laughs> Deuxième appel du pied pour Farouk. <laughs> Et il a une pression. <laughs> euh, bah ouais, surtout que les gens après avoir été voir un match à Rabat, ils vont vouloir aller voir ah, un forcément. match à Casablanca, donc forcément, forcément le, le planète au Casa va s'imposer. <laughs> ouais, donc euh, non mais pour revenir à donc à cette histoire, ouais, c'était vachement tumultueux, mais on a quand même une très très forte rivalité entre les ultras euh, de Rabat et les ultras du Ouidad et les ultras du Raja. Il y a eu énormément de débordements. Il y a eu euh, parce que donc du coup, hein, je vous ai dit les, les stades sont enfin le stade de Rabat en tout cas est très souvent vide, mais par contre le virage est plein. Euh, L'adhésion derrière les ultras, c'est euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils ont été capables de faire un déplacement à, à Casablanca avec plus de 10 000 personnes. C'était euh, un massacre dans les villes, euh, en mode euh, gare, euh, de la gare au stade, euh, tout a été détruit sur le passage des ultras, euh, voitures, trams, etc. Enfin, ça avait fait une énorme tollée, du coup ça a contribué aussi. Euh, à ce que tu as raconté et, et la volonté peut-être un peu plus tard d'essayer de, au, au moins pour les autorités de le dissoudre un peu. Il y avait aussi pour euh, pour être pour compléter parce que pour pas dire que non plus c'est que des méchants et les policiers sont les gentils et les ultras sont les méchants c'est pas non plus euh, voilà c'est tout n'est pas manichéen euh, comme partout dans le monde il euh, y a voilà on sait comment sont les ultras mais euh, on sait aussi que en face il euh, n'y a pas forcément toujours les réponses appropriées qui sont données et euh, du coup pour revenir sur le cas du Maroc euh, à l'époque euh, des printemps arabes donc, euh, la Tunisie a eu droit, l'Algérie a eu droit, l'Égypte a eu droit. Par contre, le Maroc, lui, n'y a pas eu droit. Pourtant, il y avait quand même une voix de la jeunesse qui essayait de se faire entendre et qui, elle aussi, est beaucoup passée par les stades, euh, comme c'est arrivé en Algérie, hein, où les, les chants des supporters euh, algériens, là, euh, 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 Casa del Papel, là, Bella Chao, euh, qui avait été repris, là. ça, c'est un chant euh, révolutionnaire qui est ouais. parti du stade. Et il euh, y a de nombreux chants révolutionnaires euh, du Raja et tout ça qui. Qui, on, qui, qui résonnent dans les stades ou même des phares. Hein. Moi, je me souviens à l'époque euh, de chants où ils sont virulents, ça attaque fort le roi, ça attaque fort le gouvernement. Ils n'hésitent pas à, à, à montrer ce que le, le peuple, en fait, il souffre. Quoi, que, que, ok, ils foutent le bazar dans les stades, mais il faut dire que le reste de leur vie au quotidien, pas, tout n'est pas rose et qu'il y a de, de très fortes injustices. Et du coup, le stade, les ultras ont été porteurs de ce mouvement-là et forcément, bah, en Égypte, euh, Bon, ben, euh, on ne va pas refaire l'histoire aussi de, du massacre euh, à Port euh, avec plus de 72, je crois, euh, de mémoire, 72 ultra euh, euh, djihadistes qui avaient été tués. Bon, on se doute bien que derrière, il y avait peut-être une réponse euh, des politiques euh, à, à, leur, à leur implication dans, la, dans les, les révolutions du printemps arabe. Et du coup, ben voilà, peut-être aussi que euh, le Maroc a aussi, au bout d'un moment, même s'il a eu la révolution, euh, voulu euh, faire taire un peu euh, cette voie-là. Et bon, c'est pas réussi puisque les chants euh, sont toujours là. Et même s'ils arrivent, il y en a qui ont été un peu connus, mais voilà, ça a pas, ça a pas mené jusqu'à jusqu'au peuple à descendre dans la rue en tout cas. Ouais, donc, mais euh, reste... mais... voilà, pour tout dire tout... que c'est complexe, quoi. C'est ça. Mais, mais les ultras, donc, sont, vous le voyez, sont très présents. Et si vous allez au stade voir, par exemple, un match de l'AS euh, vous voilà, vous aurez quand même droit à une ambiance. Euh, si vous voulez vraiment kiffer, j'imagine qu'il faut aller regarder un match contre Raja Ouidad hein. Tu vas pas me probablement pas me démentir. Il est chaud le, le, le derby de Rabat ou pas du tout pas, pas spécialement. tout. Ben non, pas du tout. Il y a pas d'ultra pour le FUS. As un peu la, la, Voilà, les phares ont quand même l'impression de même si le FUS. Là, en ce moment, c'est un plus ou moins équilibré les résultats depuis. Euh, voilà, depuis que le, depuis le milieu des années 2000, on se retrouve avec des clubs plus ou moins similaires, quoi. Ils, ils se croisent, mais dans la réalité, euh, voilà, il y a le phare, il a les phares au-dessus, le fus en dessous. Du coup, les supporters aussi, ils ont cette, euh, cette ce sentiment de voilà, c'est pas leur rival, leur rival, c'est le Raja, c'est louida Du coup, effectivement, ouais. le plus gros match, c'est quand euh, la, la Casablanca se déplace à, à Rabat pour, euh, pour jouer la, les matchs de Botola. Et euh, mais bon, il n'y a pas besoin, tu vois, tu n'es vois, pas obligé d'aller au stade pour t'apercevoir que le mouvement euh, ultra, il est hyper présent. Il euh, y a des graffitis partout. Dans tout Rabat, tu vas trouver des graffitis. Du coup, on a parlé d'Ultra, je n'ai même pas donné encore les deux groupes Ultra de, des phares. Donc, vous avez les Ultra Ascari Rabat, euh, les UAR. Et vous avez les Black Army. Et euh, donc, c'est deux groupes un peu distincts qui cohabitent, euh, souvent pour les tifo, etc. Mais qui sont quand même deux groupes distincts. Et du coup, ben, dans les rues, alors, vous avez des graffitis euh, UAR, euh, BA05, euh, BA07, UAR05, comme ça, un peu partout. Mais vous avez aussi des des tags, des fresques, euh, promener dans la médina. Et puis tout d'un coup, là, vous allez vous retrouver un mur, euh, le, les couleurs des phares, farces... Euh, c'est euh, vert, rouge et noir, et vous allez vous retrouver un immense mur comme ça avec euh, le pin, enfin euh, avec des hyper beaux tags, des dessins, tout ça. C'est vraiment présent dans. Enfin, je re, vous pourrez voir des photos sur le si vous regardez ou le, enfin, si vous n'écoutez pas le podcast, mais que vous le regardez sur YouTube, vous allez pouvoir voir des photos. Vous allez voir qu'il y, y a des tags un peu partout et, et certains qui sont même monumentaux. Et du coup, on, on se sent imprégné, on sent que c'est là. On voit des supporters, on voit des ultras. Il y a des ultras des fois qui sont là, euh, qui, font la, fin, qui font la manche, ouais, qui, font, qui demandent de l'argent pour pouvoir supporter l'équipe, euh, voilà, qui font leur truc. On, on voit en fait, on, on, ouais. vraiment, euh, on sent que. que on ne voit pas les gens se promener avec les maillots de la S-FAR partout, mais on sent quand même que les ultras, ils sont présents. quoi. Ils, ils... Comment dire, ils occupent toute la ville, quoi. Tous les quartiers, il y a des groupes ultra. Euh, enfin, dans tous les quartiers, je veux dire, il y a des sections du, des, de groupes ultra, que ce soit Black Army ou Ultra Ascari. Euh, chaque quartier, un peu a sa section et tout ça. Même les villes, même à Salé, euh, même un peu plus au sud, à Temara, euh, en banlieue, en, en gros, de Rabat, vous, vous avez vos sections et, et du coup, bah, voilà. Il y a... Et on est imprégné par cette présence alors vous pouvez y passer complètement à côté si le foot vous ne calculez pas mais si vous avez un peu, un peu l'oeil vous allez vite vous apercevoir que c'est une, une vraie ville de foot alors un peu paradoxalement avec le stade qui au final est pas rempli très souvent mais bon ouais. ça c'est euh, ben, un, un autre problème Eh bien on va en parler justement de, des stades d'aller au stade on, ouais. a vu, hein, on a vu un petit peu on voit hein, que la culture la culture foot et la culture à travers les ultras est extrêmement ancrée euh, dans la ville, elle est présente, tu viens de l'expliquer. Euh, moi, je suis un touriste foot, donc j'imagine qu'il faut absolument que je me rende dans, euh, dans le grand euh, Moulet Abdallah, c'est ça. Hein Exactement. Alors tu peux quand même te faire plaisir et aller voir un match euh, à côté de la Médina, euh, du FUS pour voir du football, mais euh, c'est sûr qu'à part des applaudissements et des petites envolées de... Oh ouais, en fait si je veux avoir <laughs> une vraie notion, tu, tu de, avoir une, une vraie ambiance, il faut que j'aille voir la... Ah, ouais. Si tu as envie de voir une ambiance de stade, euh, vraiment... Ouais. Euh... Il faut, aller, il faut aller voir les phares à Abdallah euh, c'est pas si loin vous pouvez y aller en bus, vous pouvez y aller en tram vous pouvez y aller, vous pouvez y aller en taxi c'est pas le stade est, est pas très loin du, du centre-ville, donc pour ça c'est pas un problème pour s'y rendre, alors c'est sûr que pour le FUS par contre là c'est centre-ville, centre-ville donc encore plus facile pour acheter des billets, du coup vous imaginez bien qu'il n'y a pas besoin de s'y prendre trop à l'avance euh, jour de match vous allez prendre vos places au guichet et puis si c'est pour vous mettre dans la tribune d'honneur euh, voilà, pas besoin de batailler. Euh, la dangerosité qu'on peut entendre sur les, euh, sur les tribunes au Maroc, où vous faut se coudre les poches et patatier, patata. Euh, bon, ben, si vous allez en tribune normale, euh, vous, vous inquiétez pas. Euh, vous risquez de passer beaucoup de temps avec la tête tournée, du coup, à droite. On <laughs> regarder le match, en fait. Des ultras, ce qui risque de vous accaparer <laughs> pas mal d'attention. Euh, mais voilà, après ça, il n'y a pas trop de, de particularités. C'est comme... Euh, comme en France, euh, procurer les places et tout, tout ça, c'est tout, tout est pareil. Par contre, par contre là, ça devient enfin si vous vous avez envie de vivre le match en virage, là, ça devient un peu différent. Alors euh, pour le coup, si vous vous pointez tout seul ou, ou à, à plusieurs groupes de potes, euh, euh, ok, cramé français ou cramé touriste euh, dans la tribune. Ouais, là, euh, la réputation, euh, peut-être que vos poches, elles seront vides. Enfin, ça dépend aussi. Si vous allez dans un coin tout au long de la tribune, personne ne va venir vous embêter. Euh, par contre, si vous allez vraiment dans le cœur du virage, euh, là, ça bouge beaucoup. Euh, euh, effectivement, euh... Ouais, <laughs> les voilà. poches peuvent se vider et tout ça. Donc là, maintenant, ça, ça voilà, chacun de, de prendre ses responsabilités. Moi, je conseillerais plutôt quand même aux gens de. Parce que vivre le match en virage, c'est autre chose. Ça a rien à voir. Le stade est vide, mais vous êtes pris par une telle ambiance que c'est enfin, décuplé par bah, rapport en à fait, la France. Hein. C'est incomparable. En fait, tu as, le... hein. en fait, as le choix. Soit tu vas... En, en fait, tu as deux façons d'aborder ton... la façon dont tu vas vivre un match là-bas. C'est soit tu veux... Suivre le spectacle et tu te mets en tribune. Soit tu veux y prendre part pour vivre l'expérience de l'intérieur et là tu vas en virage. Quoi. Bon, voilà. Et moi je vous conseille bien évidemment d'aller en virage. <rire> <rire> Mais je ne vous conseille pas d'y aller la fleur au fusil en mode vous vous, vous pointez, vous allez trouver des places. Il euh, y a des guichets hein, le, le jour du match. Peut-être que vous allez même réussir à rentrer sans payer de place pour aller en virage. Ça c'est. Complètement possible. Euh, mais voilà, moi je vous invite quand même pas à y aller euh, la fleur au fusil euh, tout seul euh, à vos risques et périls. C'est possible, ça peut très bien se passer. Hein, et, euh, je dis pas le contraire. Euh, mais bon, voilà, vous allez être vite repéré dans la tribune. Euh, les gens vont vous voir et vous dire tiens, c'est qui ces gars-là euh, Voilà, c'est ça peut se faire. Mais je vous conseille quand même de prendre le temps de traîner un peu en ville et vous allez trouver facilement des ultras en fait. Vous allez trouver facilement des gens qui connaissent des ultras. Euh, au Maroc, la jeunesse. Elle aime beaucoup, euh, elle va traîner dans les cafés, jouer au billard, euh, boire du thé, des jus d'orange, des trucs comme ça. Euh, euh, C'est quelque chose de très répandu. Du coup, vous allez facilement trouver des jeunes. Et après, il ben, faut pas avoir peur euh, de demander, est-ce que par hasard, vous ne connaîtrez pas un ultra, machin, avoir cette démarche-là de de Curiosité qui fait que les gens en fait ils vont être contents de vous dire ah bah ouais tiens, et puis euh, il faut connaître forcément quelqu'un euh, mmh. dans leur quartier. Il y a des sections donc euh, si lui il n'est pas ultra, ce qui est euh, complètement euh, ce qui est le plus probable en fait, ben par contre il connaît peut-être quelqu'un soit directement soit indirectement qui est ultra, et à partir de là, bah, c'est là où vous pouvez aller à la rencontre. Et puis si vous expliquez votre démarche à, à un ultra des phares, sachant que voilà, il sait très bien que dans le monde entier on parle que du Raja et du Wida, de limite on sait pas qu'il y a d'autres clubs au Maroc. C le gars va quand même être avoir, avoir cette curiosité, cette démarche de, de vouloir... Euh, oui, et en plus, ils sont fiers de leur culture ultra, les ultras. Donc, euh, ils se revendiquent un peu, c'est les... Voilà, ils se, ils se revendiquent un peu d'être spéciaux, un peu en marge de la société, un peu les... Comment dire les oui, ah, pas puis... les chevaliers blancs parce que c'est pas du tout ça mais ils non, se considèrent mais... un peu comme les, les rebelles mais qui sont nécessaires pour, euh, pour la société en fait et puis il y a toujours et... cette fierté de représenter euh, de représenter donc forcément quand tu les abordes en voulant justement comprendre et en voulant voilà les oui voir leur mouvement comprendre leur mouvement forcément ouais. ils vont t'accueillir à bras ouverts et... Petite précision, parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que tout est connoté dans nos propos et tout, ça ne l'est pas du tout. Euh, ce que dit PM sur la notion d'aller dans les, dans les tribunes les, les, les plus chaudes d'un stade, elle est valable dans tous les pays de la Planète, de planète Hello. On vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, par exemple, quand on a parlé du Pérou, quand on a parlé de la Colombie. Euh, forcément, il est toujours conseillé d'y aller avec des gens qui connaissent, avec des gens qui font partie presque du mouvement. Comme ça, on évite les soucis. On n'a pas encore fait de Planète Hello en Argentine, mais alors là, ça sera pire, pour vous donner une idée. Donc ne voyez pas de connotation à tout ce qu'on peut dire, parce que je sais que de nos jours, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention, euh, les propos sont très très vite, très mal interprétés. C'est une vérité générale. Quand vous vous baladez dans les. quand vous voulez aller euh, vivre... Deux, en immersion totale auprès des, des supporters les plus chauds, quel que soit le pays de la planète Hello euh, que ça soit enfin on va dire surtout Amérique du Sud et Afrique ou ouais, les, les pays peut-être pas en Corée quand même. Ouais <laughs> voilà. Non mais oui c'est ça. Mais en fait voilà dans les, dans les, dans, dans, les dans, dans, dans les lieux forts en termes de supporterisme on va dire euh, forcément il est conseillé d'y aller avec des supporters euh, soit alors dans le cas par exemple là on est au Maroc ou euh, des de, de mouvements ultra euh, quand on parlera d'Argentine mais on a évoqué hein, euh, quand on parlait du Pérou avec Romain ou quand on a parlé de la Colombie avec, euh, avec Pierre on l'a déjà évoqué et c'est ce que vous disiez PM allez voir des gens qui connaissent allez voir des gens euh, expliquer la démarche et les gens vont vous y amener avec grand plaisir et justement je vais pas dire vous protéger, mais un petit peu quand même, si. Après, on ne pas, vous, vous risquez pas votre vie. Hein. Euh, je pense qu'on qu peut tu pas, fais... dire, on risque pas sa vie dans les tribunes de la SFAR. Hein. Faut pas. Non, on n'est pas, on est pas, pas à, euh, en Argentine. Hein. À moins vraiment mauvais endroit, mauvais moment. Ouais, voilà. Avec la police, mais bon, c'est rare. Y a... enfin, Il ça arrivé qu'il y ait eu des morts au stade au Maroc, malheureusement. Mais euh, voilà, ouais. souvent, en plus c'est des guerres. Enfin voilà, c'est. Pas... ça. Donc euh, non, non, on ne nous fait pas dire pas... ce qu'on qu dit pas. Hein. Ouais, mais euh, tu as quand même. Voilà les ultras. Il y a beaucoup de jeunes, il y a énormément de jeunesse, des jeunes de 12 ans, 13 ans ouais. au Maroc. C'est quand même un peu plus jeune qu'en France. Euh, il y a beaucoup de drogues euh, qui circulent dans la tribune. Alors, euh, du shit, enfin, le hashish, tout ça là, euh, ok. Et il y a aussi beaucoup de, de cachets, de drogues de synthèse et des trucs comme ça qui circulent aussi. Que les jeunes prennent, euh, il n'y a pas forcément beaucoup d'alcool, beaucoup moins d'alcool. Les gens sont Peut-être pas alcoolisés comme euh, comme euh, ça peut être ici ou, ou pire je sais pas en Angleterre ou je sais pas en Belgique ou j'en sais rien mais par contre ils sont quand même enfin il y a quand même aussi beaucoup de drogues qui circulent dans ce milieu là et forcément ben euh, voilà des mouvements de foule des gens qui sont pas forcément euh, euh, trilucides ou à 100% ouais. de leur lucidité ou maîtres de leurs actions etc il euh, y a beaucoup de tensions avec la police parce que tu l'as dit euh, tout à l'heure euh, qu'ils ont essayé pratiquement d'éradiquer le mouvement ultra ils avaient plus le droit de venir au stade avec leur bâche et tout ça enfin, ça a été très très dur pour eux et ils n'ont pas lâché ils sont restés là du coup il y a quand même voilà toujours un peu cette tension avec la police qui existe euh... c'est pour ça que aller tout seul en virage oui. Mais ça, si tu mais voilà. Faire, tu vois... Ça peut très bien se passer. Il y a, il y a, ça peut vraiment très bien se passer. Je, oui, mais... je veux pas priver mais... les gens de le faire. Par contre, c'est mieux d'être accompagné. Ça. Si tu connais quelqu'un, enfin, si tu vas avec un groupe d'ultra, et eh ben le gars, il va t'amener, il va te présenter aux autres. Enfin, voilà. Tu et seras puis, tu pas... comprendras mieux aussi. Et puis, déjà, toi, tu pourras mieux en profiter. Et puis, tu ouais. te dis, attention, vas-y, descends. Il va y avoir un gros craquage pour euh, que tu sois au milieu du craquage de fumigène. Alors que si tu es tout seul, tu vas attendre euh, en haut et que tu le verras d'en mmh. haut. Enfin, voilà. Et, mais encore une fois, euh, ça peut être compliqué de rencontrer des ultras, euh, par exemple en France. On peut se dire, euh, complicado. Ou je ne sais pas, en Amérique du Sud, où tu peux te dire aussi, attention, tu vas rencontrer ouais. des Argentins, ça va être des, ouais. des gangsters. Faire on, peut faire, on peut avoir un peu peur. Le Maroc est quand même beaucoup plus. Euh... Alors, ouais, je, je viens de le dire, il y a des risques. Y a, on, on peut tomber sur des gars qui sont un peu tarés, ça c'est clair ouais, et net. Il y, y en a quand même des poignées et des poignées. Euh, mais. Pff, euh, voilà, je pense qu'il y a tellement d'ultras et puis c'est tellement présent dans toute la ville. Il n'y a pas ce côté euh, river boca. Tu vas demander à un gars et puis finalement, c'est la mauvaise équipe, il va vouloir te tuer. Euh, à Rabat, ça, tu crains pas ça. Il n'y a que les phares. Donc à partir de là, déjà, tu es plus tranquille. Tu peux demander à rencontrer des ultras. Voilà, comme je vous disais, il euh, y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. S'il ne connaît pas ouais. directement, si lui-même ne l'est pas. Donc à partir de là, c'est relativement tranquille. Vous vous mettez pas en danger à demander à quelqu'un si c'est un ultra. Alors. Euh, oui, on et puis... entend beaucoup sur le Maroc, l'espionnage et tout ça et tout ça mais bon euh, si ouais. tu es un touriste et que tu vas voir un match, euh, ils vont pas te tu ne vas pas te retrouver mêlé à, à des histoires, tu ne vas pas aller en prison parce que tu étais avec les ultras, patati patata. Quoi. Enfin, non, mais, pas, mais, mais euh, voilà, mais vraiment, vraiment, on le rappelait hein, pour la précision. Voilà, euh, on ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas, hein, évidemment. Je, je, je préfère le répéter parce que je sais comment, euh, voilà, comment les choses peuvent vite, euh, certains peuvent vite en profiter pour essayer de, de, de générer des bad buzz ou je ne sais pas quoi. Euh, voilà. Et de manière générale, c'est une chose que l'on peut répéter à chaque planète Hello, quel que soit le pays. Euh, si vous voulez véritablement avoir une expérience en immersion avec des groupes là, dans ce cas-là, des groupes ultra, allez les rencontrer avant. Et là, vous allez avoir une véritable immersion. Et justement, j'ai presque envie de dire, et c'est peut-être ce, ce qui fait que c'est un peu antinomique avec le mouvement ultra, on ne va pas voir un mouvement ultra en tant que touriste. Euh, dans le sens, c'est pas un zoo, quoi. Donc euh, ah allez, allez ah ouais. les voir, allez comprendre leurs mouvement. Et forcément, ils seront toujours... Toujours, vous allez toujours trouver des, des interlocuteurs qui vont, ben, qui vont vous montrer leur passion et qui vont avoir justement envie de montrer ce qu'est leur mouvement euh, sous le meilleur des jours. Et là, vous allez vivre une belle expérience. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut vraiment dire allez, allez les rencontrer. Quoi. Ouais, ouais, non, vraiment. Et puis, encore une fois, là, à Rabat, vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire. Il ouais. n'y a pas de danger. C'est sûr que si tu vas au à Casablanca. Tu tombes sur un gars du Weedad alors que toi tu penses que c'est le rage. Enfin bref, tu peux te mettre dans des situations sans le vouloir vraiment qui peuvent être dangereuses. Alors que, voilà, c'est quand même, il euh, y a de la violence qui existe dans le mouvement ultra. Il y a des, beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est quand même un milieu où la violence est présente. Donc, il faut quand même y aller avec des pincettes. Et vous en aurez probablement moins à mettre à rabat parce que vous vous mettrez moins dans des situations comme ça où ça peut être dangereux, ne serait-ce que parce qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas du même bord. Voilà et, et, et aussi c'est vrai qu'il il y a un truc qui est intéressant c'est que c'est pas politisé vous allez pas enfin si c'est politisé mais contre le système et ils sont tous en fait dans cette vague là tous ouais. les ultras du Maroc qui sont contre le système donc du coup vous n'avez pas le côté qu'on peut retrouver en Europe parfois avec des tribunes oui. nazis des tribunes des tribunes de gauche euh, des tribunes de droite de, euh, ouais. de, exactement ou là pour le coup bon bah, c'est vrai que euh, vous allez à Rome vous allez voir la radio c'est normalement pas le même délire que si vous allez voir la Roma voilà <laughs> La, la, du coup, forcément, il euh, n'y a pas ça au Maroc. Donc, et justement, a pas et ça je... à rabat. Et du coup, ben, ça rend le truc possible et ça rend le truc agréable. Et du coup, vous dites que vous allez faire un truc de ouf parce que vous allez voir un match en virage où des fumigènes, il y en a pas. Il euh, y, y en a mille qui vont passer dans le match. Vous allez être complètement. Euh, vous allez halluciner vraiment par l'ambiance qu'il va y avoir dans le virage. Et c'est une expérience. Euh, c'est une expérience qui est finalement pas si dangereuse que ça si vous faites les choses comme il faut, que vous ne vous mettez pas en danger, le danger est partout. Voilà, c'est comme partout et euh, on, on va le rappeler. On, le, on en parle parfois dans les 9-10 quand on évoque certains, certaines choses qui se sont passées. Si vous ne faites pas de hors-piste, tout va bien. C'est valable partout. Et... Voilà, vous avez vu, on vous a présenté la ville, on ne vous a pas non plus euh, présenté un coupe-gorge. Hein. Euh, Rabat, c'est une ville agréable. Et donc, euh, ouais, voilà, non, ça pas. va, vous n'allez pas mettre votre vie en danger. Le hors-piste n'est pas trop violent non plus, mais vraiment, mais c'est comme pour tout. Si vous ouais. voulez découvrir ce mouvement-là, allez les voir, allez discuter avec eux. Et généralement, il n'y a pas trop de soucis. Et PM vous le dit, Rabat, c'est vraiment peut-être l'occasion, euh, justement, de ne pas générer d'erreurs, il vous l'a expliqué, pour justement ouais, a... aller vivre avec des ultras et voir comment on vit le football au Maroc, c'est peut-être euh, la, pre la... j'ai presque envie de dire c'est peut-être la première porte à, à ouvrir, c'est une vraie porte d'entrée sur, sur le mouvement ultra au Maroc en fait. Exactement, c'est exactement ça. Effectivement, vous en prendrez peut-être plus la vue en allant voir un match euh, du Wida ou du Raja, mais pour aller voir un match du Wida ou du Raja, euh, pas en mode touriste et payer votre place une fortune euh, pour vous retrouver et, et prendre des photos des deux côtés, si vous voulez vraiment vivre le truc. Euh, c'est peut-être plus compliqué, alors qu'à Rabat, c'est plus facile, c'est plus tranquille. Euh, tu disais euh, coupe-gorge, ou ouais, effectivement, c'est pas une ville coupe-gorge. Comme partout, tu peux trouver il y a des quartiers qui sont peut-être beaucoup moins fréquentables que d'autres. De base, vous n'avez pas à vous mettre en danger vous pouvez rencontrer des ultras dans le quartier Hassan. Le quartier Hassan, c'est. Euh, euh, le centre-ville, euh, là où il y a la tour Hassan II, là où il y a le mausolée des rois, euh, c'est là où il y a la cité euh, policière. Enfin bref, vous êtes dans un endroit euh, de centre-ville ultra, sécu ultra sécurisé, euh, ultra rassurant en tout cas, vous allez euh, à aucun cas sentir ouais. du danger. Et bien là, vous avez des sections d'ultra, là vous pouvez rencontrer des ultras, des jeunes euh, voilà, qui sont euh, de très bonnes familles, euh, ce que vous voulez. Euh, c'est voilà, c'est possible, c'est complètement possible. Alors je ne dis pas que c'est pas impossible, que c'est pas possible aussi à Casablanca, mais peut-être que ce sera un peu plus difficile. On en reparlera avec Farouk, 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 Farouk. Voilà. <laughs> Il me reste deux questions, PM, et tu vas me voir, tu me vois arriver hein, tout de suite. Euh, la, pro la, la, la prochaine est, est, est peut-être l'une des questions les plus essentielles dans tous les hello euh, lorsqu'on vous invite à aller découvrir une ville. Voilà, la ville. Le football, les stades, il reste quand même un point hyper important. Euh, vous me voyez peut-être venir si vous connaissez les planètes Hello. Euh, manger. On mange où et quoi à rabat? Alors, euh, je pense que c'est au Maroc en général. Hein, ouais. On mange hyper bien. <laughs> Étonnant. Les tagines, <laughs> voilà, les tagines, les couscous, les, les keftas, les machins, les trucs, c'est hyper bon. Euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir mangé au stade. En même temps, en virage, au milieu des ultras, il n'y a pas forcément à bouffer. Il y avait peut-être des gens qui vendaient de la bouffe à l'extérieur, mais j'avoue que. Je ne m'en souviens plus. Non, bon, après, voilà, la nourriture marocaine est peut-être un peu plus euh, connue ici que euh, la oui. nourriture euh, des autres pays, euh, des autres planètes là l'eau qu'on a eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Et, et puis, il y a tout un paquet de, je dis des et tout ça, mais la street food, la street food au Maroc, c'est exceptionnel. Euh, en fonction des moments de la journée, vous n'avez pas les mêmes… Euh, de, ça évolue ce qu'on vous vend, en fait, dans la rue. Et puis, euh, bon, ben, vous faites des petits-déjeuners extra, euh, des repas du midi extra des petits goûters là, extra, les dîners le soir extra, enfin voilà, vous avez la possibilité de, de vous régaler du matin jusqu'au soir euh, avec la, la nourriture marocaine, c'est hyper varié, enfin voilà, je vais pas. <laughs> bon moi, ma petite préférence, c'est les kefta, c'est la moi, c'est mon truc. Bon, voilà. C'est là où je voulais en venir, le petit conseil. Ouais. Bon, après, voilà, chacun, chacun <laughs> a ses petites préférences. Parce que là, on part quand même sur une. J'imagine, c'est comme au Pérou. Au Pérou, tout est bon. Ouais, c'est compliqué. Euh, ouais. Euh, voilà, c'est compliqué C'est comme ici, en France aussi, beaucoup de choses sont très bonnes. Donc, euh, c'est compliqué de, de sortir un truc. Moi, bon, ma petite préférence. Moi, j'ai tendance à beaucoup aimer les plats simples, les plats un peu, euh, voilà, les, les trucs un peu. Euh, Populaire comme ça, là, hyper simple comme les moabons. Moi, ma... moi, à mon niveau, je pense que le top du top, c'est le tacos, numéro un. Euh, tu vois, euh, dans le monde, meilleure bouffe, ça se deux, deux bouchées, euh, c'est hyper bon, viande euh, frais, euh, un peu acidulée, bref. Pour avoir le passé quelques parfait. jours avec monsieur euh, au Mexique, je confirme. <laughs> ah ouais, non, pour moi, euh, sincèrement, de tout ce que j'ai connu, c'est <laughs> le meilleur compromis parce que c'est simple, c'est pas cher. Ouais. Évidemment, tu peux trouver un truc hyper bon, meilleur que le tacos, mais là, le rapport qualité-prix, simplicité, tout ce que vous voulez, c'était le top du top. Et du coup, bon, on n'est quand même pas à ce niveau-là parce que le tacos est quand même un peu plus haut. Mais moi, j'avais adoré les tagines, la euh, viande hachée, enfin des petites boulettes de kefta, euh, des œufs à l'intérieur d'une sauce tomate, euh, du pain pour tremper dedans. Allez-y, là vous avez le meilleur truc. C'est dans des petits bouillis que vous allez trouver ça. Euh, c'est le, le repas du entre guillemets. Je, je caricature le repas du pauvre quoi. Et, et moi, c'est ce que c'est ce que j'avais préféré. Mais encore une fois, euh, la bouffe au Maroc, à mon avis, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Et vous pouvez vous régaler vraiment du matin jusqu'au soir. Eh bien, on va bientôt conclure. Hein. On va clore cette visite euh, footballistico-cultiro culinaire de Rabat. <laughs> des grands classiques de hello hein. Vous voyez, on vous, on vous plante le décor, on vous emmène au stade, on vous fait manger. C'est un peu l'idée de notre guide touristique. Justement, on conclut toujours par la petite expérience personnelle, les conseils particuliers. Euh, quels sont ceux que tu peux donner, toi, pour Rabat euh, Le petit, bon, le conseil particulier, moi, que je vous donnerais, c'est de ne pas avoir peur, en fait. Euh, c'est vrai que, bon, c'est facile pour moi. J'ai eu l'occasion de voyager aussi dans d'autres endroits. donc. Euh, mais vraiment, n'ayez pas peur. Allez au contact des gens et tout ça. faut pas faut pas hésiter. Un jeune du Maroc, il est comme vous. Hein. C'est comme un jeune d'ici, euh, un vieux du Maroc, c'est comme un vieux d'ici. Il n'y a pas de différence. Faut vraiment pas hésiter. Et euh, sincèrement, ça peut changer euh, votre voyage parce que vous avez la possibilité, finalement, vraiment, de vous intégrer, de partager la vie des, des ben là, pour le coup, des habitants de Rabat. Et moi, je me souviens, à l'époque, c'était, euh, en fait, j'ai passé mon temps au quartier Hassan parce que j'arrivais à trouver. Hop, je me suis fait ma... j'ai réussi à trouver des gars. Je cherchais directement. Moi, j'étais parti. Ce que je vous dire. Ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai rien inventé. Du coup, je suis parti, puis euh, je demandais, euh, vous connaissez pas des ultras et tout. Et il y a déjà, euh, genre, euh, typiquement, une action, un gars qui me demande de l'argent, qui voit, OK, vas-y, je te donne de l'argent, mais tu me présentes en ultra. Je ok, pas de problème et tout. Et puis il ma m'amène, il me présente l'ultra là directement. En échange de, il était content de faire ça. En échange de lui avoir demandé une pièce, quoi. Tu vois. Et en fait, cette action-là m'a permis de rencontrer un ultra. J'avais aussi rencontré un d'autres jeunes, d'autres ultras du, du quartier. Du coup, ça me permettait de connaître plusieurs. Et puis, à force de traîner avec eux, et puis. Petit à petit, voilà, moi je partageais la vie du, du quartier et puis j'ai rencontré au fur et à mesure jusqu'à rencontrer. Alors moi j'étais plutôt côté Black Army du coup parce que mes rencontres se sont faites sur ce groupe là, mais je suis allé jusqu'au capot des Black Army. Euh, comme ça, voilà, et faire passer des après-midi, enfin une après-midi avec eux, même pas au stade, juste pour, pour comprendre un peu leur, leur délire quoi, parce qu'on est, enfin voilà, c'est du. Ça peut être de la sociologie ou de l'anthropologie, si vous voulez, à un certain niveau. Hein. Mais <laughs> en tant que personne... pour je comprendre ça, le mouvement. C'est si le... génial. Ouais, voilà, si tu ça. veux le comprendre, il faut aller les voir. Il faut le, faut le vivre. Et en fait, si je n'avais pas fait ça déjà, je n'aurais probablement pas eu l'occasion. Parce qu'il y a un truc, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout dit, mais il y a un truc qui est cool, ils font beaucoup de rassemblements en ville. En fait, ils vont se rassembler un soir. Et puis ils vont faire un énorme craquage de fumigènes. Là. Il va y avoir 50 mecs qui vont craquer des fumigènes. Ils trouvent chaque prétexte est bon pour se rassembler, pour faire, euh, pour faire la fête, pour euh, craquer des fumigènes. Et, et puis il voilà. y a des banderoles. Ils font... ils font beaucoup ça. Et en fait, le fait de... En allant... Il enfin, n'y a pas besoin d'attendre le match. Moi, j'y étais à un moment où c'était du coup l'été. Il n'y avait pas de foot. Le championnat était fini. Mais il y avait ça, il y avait des petits événements comme ça. Ils faisaient des petits rassemblements là, comme ça, en ville. Et ils se retrouvaient à une place et puis ils sortaient les fumigènes, les banderoles, ils chantaient, et voilà. Et c'est des trucs, enfin euh, ouais, c'est vraiment cool comme expérience en fait. Vous êtes au stade sans avoir de match euh, face à vous. Donc du coup, le mouvement ultra vit même hors euh, saison entre guillemets. Et euh, du coup, ça, c'est des choses que vous n'allez pas trouver sur Facebook. Vous avez beau être sur le groupe des suivre le groupe des ultras de des phares. Euh, ils vont pas dire ou peut-être, mais alors euh, c'est pas évident. Vous allez plutôt avoir les photos le lendemain. Ouais. Et du coup, c'est dommage. Vous pouvez pas faire vivre le truc. Alors que si vous avez pris le temps d'aller discuter avec les, les gens directement, vous aurez l'occasion de faire ces événements. Et euh, non, moi j'avais pour donner une anecdote. Alors je crois que je l'avais déjà raconté. Il me semble que je l'avais déjà raconté en podcast. Mais euh, tant pis, je la redis. Puis en même temps, ça permet aussi de. de de contraster un peu tout ce qu'on a dit et puis de rassurer et de montrer que c'est pas oui. si dangereux que ça euh, donc j'étais euh, donc moi quand j'étais là ce, ce que je vous raconte là c'est juste après euh, quelques mois après euh, quelques semaines plutôt même après les énormes débordements des phares qui sont descendus à plus de 10 000 à Casablanca et qui ont tout défoncé et du coup bon bah là il y avait des gars en prison euh, ils devaient passer leur bac mais ils étaient en prison des mineurs et tout enfin c'était n'importe quoi du coup il y avait une forte tension entre les ultras des, des phares euh, les Ultras, Scari et les Black Army et euh, la police. Et en fait, bon, euh, donc du coup, il me disent, propose d'aller voir un match de voler. j'avais je jamais vu de match de voler de ma vie. <laughs> je me retrouve dans une petite salle, alors c'était, je crois, à Kenitra. Euh, je ne sais pas, une heure de train, de, même pas une demi-heure de train de Casablanca, c'est vraiment pas très loin. Et, euh, et en fait, donc on arrive à la gare de Kenitra, hop, fourgon de police, les fourgons de police, parce que sachant que le club de Kenitra lui aussi a des ultras, donc euh, le club, les ultras supportaient aussi le club de volet, vu qu'il n'y a pas de foot, euh, ils se rabattent sur les autres sports. Et euh, donc il y avait les ultras de Kenitra, les ultras euh, des phares, et euh, donc du coup il y avait les ultras Ascari et les Black Army, les deux groupes se déplaçaient pour le match de volet. Et en fait, donc en arrivant à la gare, là c'est euh, fourgonnette de flics euh, les flics qui t'amènent jusqu'à euh, jusqu la salle en, en mode convoi, là, tout, ils, te font, ils te remplissent la, la fourgonnette et ils amènent les ultras là-bas parce qu'ils ne voulaient pas en fait, qu'il y ait des ultras qui se promènent en ville et tout ça. Qui, voilà, bon, bref, ils étaient un peu dans… Euh, logiquement. Après, avoir... <laughs> après que Casablanca se soit fait détruire, ils ne voulaient pas non plus que, que les tout autres métonne. villes se fassent détruire non plus. Donc, même si euh, voilà, le contexte fait que si tu étais un peu. Euh... Au fait de l'actualité, tu savais que là entre le, les ultras du Raja et les ultras des phares, c'était ultra tendu et que ça allait partir en couille, c'était sûr. Et il y a eu des, des provocations. Enfin bref, ça, ça allait péter alors que là Kenitra, bon, il y avait pas vraiment de danger hormis euh, voilà des bagarres, des trucs comme ça qui peuvent arriver n'importe où. Mais et, et donc voilà. Et donc du coup, je me suis retrouvé à la salle. Euh à la salle de voler, une petite salle où il y avait juste finalement un groupe d'ultra d'un côté, l'autre groupe d'ultra de l'autre, et les ultras qui sonnaient des chants, des fumigènes et tout, c'était une, une ambiance assez dingue. Et euh, non, c'était pour vous dire que finalement, ben voilà, c'est la police qui t'amène à la salle, normal, euh, euh, l'entente était cordiale, il n'y a pas eu de bastonnade, il n'y a rien eu, alors que... Euh, tout pouvait s'y prêter et il euh, n'y a pas de débordement. Et alors il fallait se faire euh, fouiller, il t'enlevaient tout ce que tu pouvais, euh, possible, inimaginable, manable, pas de briquet, pas de machin, pas de truc, euh, les poches vides. Et pourtant à l'intérieur de la salle, tu voyais euh, les joints allumés, ils les allumaient <laughs> forcément avec des briquets, des fumigènes. Enfin bref, c'était euh, assez ouf. Et donc voilà, donc, pour vous dire qu'on peut en avoir un peu peur, ça peut avoir une mauvaise réputation. N'y allez peut-être pas tout seul, mais si vous avez fait les choses bien, vous pouvez partir à l'aventure complète euh, sans vous mettre en danger, en fait. Alors ouais. que sur le papier, tout le monde va vous dire Ouh là là, euh, là tu es en train de faire une belle. Conneries. Ouais, ça. Et on va le rappeler donc, hein, et c'est ainsi qu'on va clôturer ce voyage. Euh, Rabat est peut-être le meilleur moyen, la plus belle porte d'entrée, justement, si vous voulez profiter d'un voyage au Maroc pour y découvrir le football marocain, mais aussi, et j'ai presque envie de dire, surtout le mouvement ultra au Maroc qui est PM l'a déjà dit. Euh, je vous mettrai des liens vers les podcasts, je vous mettrai le lien. Aussi vers cet ancien article de de Farouk où justement PM l'a évoqué cette notion de solidarité contre le système quand le système s'attaque à eux. Là pour le coup, tous les mouvements ultra s'étaient réunis, avaient même chanté ensemble. Je vous mettrai le lien vers l'article. C'était en 2016 et vous allez voir que voilà, il y a quand on trouve quand on trouve un rival commun ou quand le mouvement de manière générale est en danger, on sait se réunir aussi. Bref, voilà, euh, Rabat, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour comprendre tout cela, comprendre comment se vit le football au Maroc, avant évidemment euh, d'aller faire un petit tour du côté de Casa, ce que l'on fera peut-être. Je pense que maintenant, si Farouk écoute ce, <laughs> ce podcast, il a compris le message. <laughs> On verra. Euh, je vais te remercier, euh, PM, d'avoir bah, passé cette heure avec euh, en ma compagnie, hein, quasiment 7 heures, à nous parler, ah, bah, euh, à nous parler de Rabat. Bah écoute, c'était avec grand plaisir. Euh, c'était pas des. C'est pas tout frais, tout frais, les, les, <laughs> les, les informations, que, enfin les informations, les témoignages que je vous partage. Euh, mais bon, je vois, ça n'a pas changé. C'est exactement la même chose. Donc euh, voilà, vous pouvez y aller sereinement. Et c'est vrai que tu disais une porte d'entrée pour le mouvement ultra au Maroc, mais peut-être même une porte d'entrée pour le mouvement ultra en Afrique du Nord en général. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est peut-être pas aussi évident en Égypte et tout ça. En Tunisie, je sais pas, il faudra demander à Farouk aussi, qui, qui est quand même aussi très bien placé pour, pour, sur ce mouvement-là. Mais euh, c'est vrai que les phares sont. Voilà, dans, en règle générale, je pense que pour l'Afrique du Nord, c'est un très bon moyen euh, d voilà, de vous aller à Rabat et puis là, vous allez pouvoir vraiment vous imprégner, vous immerger sans, sans prendre de risques. Voilà, eh bien, allez, allez à Rabat, hein. prenez à euh, voyager maintenant qu'on peut. <laughs> Oh ouais, puis c'est pas loin. C'est vrai que les Ça autres, va. il fallait prendre l'avion pendant oui. plusieurs heures, Cotonou, Conakry ou, ou Dar es Salaam. Alors que là, c'est vrai pour ma part, euh, voilà, euh, c'est à une heure d'avion de, de Paris, euh, vous pouvez y aller en voiture. Euh. C'est vrai. D'ailleurs, j'y suis allé en voiture, c'est pas mal. Ça vous donne quand même un peu plus de flexibilité. Alors pour visiter la capitale Rabat, pas forcément. Par contre, si vous voulez pouvoir bouger un peu autour, c'est vrai que la voiture c'est pas mal. Au Maroc, on s'imagine que ça très loin, mais l'Espagne est plus petite que la France. Donc, si vous avez la chance de partir un peu du sud de la France, ça peut avoir le coup d'être indépendant avec sa voiture. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est probablement le hello le, le plus en termes de distance, le plus proche hein, que l'on que l'on. En effet, c'est même certainement <laughs> le, le le plus proche. Ouais, Je suis pas sûr qu'on arrivera à faire plus proche. Ah, ça va être compliqué, ouais. Ça va être très très compliqué de faire <laughs> plus proche. Mais en Enfin voilà, on va clore ce numéro spécial Rabat. On va vous encourager, hein, comme d'habitude, à, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, à vous abonner à nos différentes plateformes d'écoute, YouTube ou la, la plateforme de, poste, de podcast, pardon, sur laquelle vous êtes en train d'écouter celui-ci. À nous suivre également sur Twitch, où on vous donne rendez-vous tous les lundis hein, pour une émission spéciale. Euh, sauf quand le chef n'est pas là. Mais euh, généralement, tous les lundis, où on organise des lives, etc., etc., rejoignez notre communiqué, euh, notre communauté, pardon, sur, euh, sur Discord. Voilà, je vous invite aussi, euh, bien évidemment, à suivre hein, toutes les actualités de la planète Hello sur notre site. Et vous pouvez, si vous souhaitez euh, nous soutenir plus concrètement. Vous faire plaisir avec un peu de culture foot, que ce soit à travers les magazines. Dépêchez-vous parce que c'est bientôt fini sous la forme trimestrielle. On en est au numéro 20 au moment où on enregistre ce podcast. Il en reste plus qu'un qu à venir. Ou alors en vous tournant vers les différents livres de la maison d'édition que nous avons créé. Il y a deux ans bientôt, il euh, y en a trois pour l'instant, euh, Garincha, euh, Primera Bola, les deux de Marcelin et les, la traduction française des 11 Caminos al Gol, donc les 11 chemins vers le but, la référence sur Bielsa. Le quatrième est en approche, je vous mettrai le lien aussi dans la description puisqu'on est euh, dans les précommandes et il se focalisera sur euh, un jour mythique le 22 juin 86, celui qui a fait de Diego Maradona un dieu. on ne pouvait pas faire on ne pouvait pas vivre une Coupe du Monde euh, sur Lucarno posé sans parler de Diego, d'autant que ce sera la première sans lui. Voilà, on va vous laisser ici. On espère que vous avez apprécié cette émission, vous donner d'autres euh, rendez-vous pour d'autres planètes Hello à venir, et notamment à Farouk pour Casablanca. On vous laisse ici et on vous, vous dit à très bientôt, les amis. Bye.